Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je viens surtout vous montrer une nouvelle coiffure. Une nouvelle coiffure à base de... Enfin, une nouvelle coiffure, en fait, ça va être... je crois que je vais même plus vous surprendre, ça va être des box braids. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que l'une de vous m'a demandé comment je faisais pour faire mes box braids. Donc je pense que sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà montré un peu plusieurs techniques. J'ai fait des box braids à base de tresses au fil, j'ai fait à base d'élastique. Aujourd'hui, je vais les faire un peu plus petits parce que j'ai envie de les garder un peu plus longtemps, donc enfin plus petits comme je fais d'habitude, pour les garder un peu plus longtemps. Donc je crois que je vais rien t'apprendre. Si tu vas sur YouTube, il y a pas mal de tutoriels, au fait, qui montrent comment faire des box braids. Mais vu que tu me l'as demandé, je vais te montrer comment je procède. Je pense que c'est pas différent des autres youtubeuses. Et je pense que ça va pas être différent de ce que j'ai déjà pu montrer dans des vidéos précédentes. À part que là, je ne veux pas utiliser d'élastique ou de tresse au fil. Donc voilà, tout simplement. Au départ, en fait, je voulais me faire des crochet braids histoire de changer. Et je viens de me rendre compte que je n'ai qu'un paquet de mèches, donc je ne vais pas aller très très loin. Donc heureusement pour moi, j'avais commandé il y a longtemps des mèches sur AliExpress et je vais vous présenter une nouvelle couleur. Comme vous le savez, j'aime bien changer parce que en ce moment, les box braids, ça me réussit et j'ai vraiment envie de continuer avec cette coiffure vu que c'est ce qui me convient le plus. Je peux faire mes soins avec, alors que j'aurais fait des crochets braids pendant 2 semaines, j'aurais pas fait de soins, mais bon, je voulais changer un peu, mais malheureusement j'ai pas les mèches, j'ai pas assez de paquets. Donc du coup, je vais faire une nouvelle couleur de box braid et je pourrais faire mes soins une fois par semaine et faire un grand soin tout le mois. Donc voilà, là je vais utiliser 6 paquets de mèches, donc je vous montre ça. Et puis j'espère que mon petit tutoriel pourra t'aider. Je vais vraiment essayer d'aller lentement pour expliquer au mieux les choses. Si j'ai compris, tu essaies de te coiffer toute seule. Alors moi au début c'était un peu compliqué, mais au fait, au fur et à mesure que tu vas t'entraîner à te coiffer toute seule, ça viendra. Donc il faut juste de l'entraînement et un coup de main. Donc voilà, comme d'habitude, j'achète mes mèches sur le site AliExpress. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de l'achat sous la barre d'infos. En général, c'est la même chose. Vous retournez... en général, c'est les mêmes. Vous tapez AliExpress, mèche tresse, un truc comme ça. En tout cas, je vous mettrai le lien. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, je vais vous montrer les mèches que je vais utiliser. Aujourd'hui, je vais utiliser 6 paquets de mèches. En général, je crois que c'est ce que j'utilise d'habitude, 6 paquets de mèches. Donc voilà, et puis on va faire la coiffure. Donc les mèches, elles sont comme ça. Au fait, j'aime bien les dégrader. Cette fois-ci, c'est juste 2 dégradés. Donc comme ça. J'aime bien, alors j'aime bien prendre le noir ici parce que comme mes cheveux sont noirs, comme ça on ne voit pas trop, et puis dégradé vers la fin, j'aime beaucoup. J'espère que ça va m'aller parce que j'ai jamais testé cette couleur, c'est assez blanc, enfin c'est assez clair quoi, donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Alors si tu veux te coiffer, moi ce que je fais, alors la première chose à faire, avant de commencer sa coiffure, c'est de faire un soin. Donc moi, j'ai fait mon soin il y a 2 jours. Donc shampoing, bain d'huile, shampoing, masque, hydratation, sellage. Donc voilà, si tu sais pas de quoi je parle, tu vas sur mes anciennes vidéos, tu tapes routine capillaire et tu tomberas sur pas mal de routines capillaires que j'ai déjà présentées. Donc je fais mon soin comme ça. Alors donc du coup là, la veille, au fait, j'ai fait des twists pour étirer mes cheveux, mais le mieux c'est avec des tresses au fil, c'est encore mieux pour vraiment avoir les cheveux étirés. Donc du coup, ça sera plus facile pour toi de te coiffer. Donc après, ce que je fais, c'est que je vais diviser ma tête. Je vais faire 4 sections au fait sur mes cheveux. Je vais faire 4 sections. Tu n'es pas obligé de bien tracer parce que de toute façon, les tresses, quand tu vas te tresser, tu vas les tracer. Donc pour que ça ne me gêne pas, ici je vais attacher. Voilà, là mes cheveux sont bien étirés, je ne vais pas laisser comme ça, on va revenir là dessus et ici je vais faire une autre section. Pour moi, je trouve que c'est assez pratique de procéder comme ça, et comme j'ai que, je vois, j'ai que 2 chouchous, donc on va faire autrement. Il est nécessaire d'hydrater ses cheveux avant de se coiffer, donc moi j'utilise cette méthode. Donc là, comme mes cheveux étaient déjà étirés, j'ai pas mis de l'eau, d'habitude je mets un peu d'eau. Là, j'ai pas mis de l'eau, je mets juste de la crème. Et après, je peigne bien des pointes en descendant délicatement vers les racines. Et après, je viens sceller cette hydratation. Ici, j'ai utilisé l'huile d'avocat. Donc après, vous utilisez l'huile de votre choix. Donc avant de vous coiffer, il est important d'hydrater ses cheveux. Surtout si vous ne faites pas de soins. Moi encore, je fais mes soins une fois par semaine. Mais si vous ne faites pas de soins, il faut vraiment... vous hydrater les cheveux, c'est très important et ça va éviter la casse lorsque vous allez défaire votre coiffure. Donc du coup, comme vous avez vu, j'ai fait 4 sections sur mes cheveux. Ensuite, je vais défaire une section et faire des traits comme ça, des lignes. Donc sur chaque ligne, après, je vais venir faire des petites sections, des petites mèches au fait pour pouvoir me coiffer. Voilà comment je procède et après je te montre la technique, comment je fais pour faire mes box braids. Alors je vais diviser ma mèche de cheveux en deux et les rejoindre comme ceci. Voilà, et après je mets un doigt comme tu vois sur l'une des mèches. Ce doigt va me servir à tenir ma mèche de cheveux naturelle. Et je vais faire au fait comme si je nattais de l'avant à l'arrière. Je ne sais pas si tu sais faire les nattes collées. Comme si je nattais de l'avant à l'arrière et ça va me permettre de fixer, comme tu peux le voir, ma mèche. Voilà comment je procède. J'espère que tu vois bien la technique. Je ne sais pas comment t'expliquer autrement. Donc en gros, je procède comme ça. Tu prends ta mèche de cheveux et tu vas faire comme si tu venais faire des nattes collées au fait sur ta mèche, la mèche que tu dois tresser de l'avant en arrière. Donc voilà, moi je procède comme ça, je trouve cette méthode plus pratique, d'autant plus que ça permet vraiment de bien fixer la mèche sur les cheveux et même après si tu veux tirer dessus, ça ne va pas partir. Parce qu'il y a des personnes qui viennent enrouler la mèche, les mèches artificielles autour de leurs cheveux naturels et donc du coup quand on tire, ça part. Là, tu es sûr que tu ne vas pas perdre la mèche que tu as fixée. Voilà, je te montre une deuxième fois comment je procède. J'espère que sur cette fois-ci, tu arrives à bien voir. Je fais vraiment comme si je venais faire une natte collée, mais juste avec le petit bout de mèche de cheveux que j'ai pu prendre. Donc même si c'est pas serré, c'est pas grave. Tu verras qu'avec cette technique, tu pourras tirer sur ta mèche, elle partira pas. Donc voilà comment je procède pour faire mes box braids. C'est une technique que j'ai appris au début. Je ne me coiffais pas comme ça, c'était compliqué pour moi. Mais on ne se rend même pas compte à force de s'entraîner. Un jour, on se retrouve à faire ça aisément. Donc voilà. Voilà mes beautés, donc c'était ma petite coiffure du moment. Je réponds à une abonnée en espérant que ma vidéo va te servir. Donc voilà, c'est aussi le moment de vous présenter ma nouvelle couleur de mèche que j'aime beaucoup, ça change un peu. Et puis bah, le mois prochain, j'espère vous partager autre chose. Donc voilà, ma coiffure s'arrête là, je vous montre le résultat.